Béatrice qui nous dit que sa fille et son compagnon sont partis en vacances aux Philippines. Ils sont bloqués là-bas. Est-ce que les rapatriements sont toujours en cours? Alors, ce ne sont pas des rapatriements à proprement parler. Pour l'instant, ce que fait le ministère des Affaires étrangères, c'est de mettre en lien les compagnies aériennes et les Français qui sont encore bloqués à l'étranger. On en dénombre encore à peu près 70 000 qui sont toujours bloqués à l'étranger et qui souhaiteraient rester en France. Dans votre cas précisément, il faut s'assurer que votre fille et son compagnon sont connus des autorités en s'inscrivant notamment sur la plateforme Ariane. Il suffit de taper sur Google Ariane plateforme ministère des Affaires étrangères, vous tomberez sur le site. Là, vous vous inscrivez pour vous faire connaître des autorités quand, par exemple, l'ambassade ou le consulat ne vous répondent pas parce qu'ils sont débordés hein, en ce moment. Et vous pourrez peut-être permettre de rentrer et de prendre un avion. Hier, le ministre des Affaires étrangères disait qu'il espère que tous ces Français rentreront d'ici une semaine maximum.